actuellement, là, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit une employée de Emma Lewis en train de laver copieusement une internaute. Elle était en live sur TikTok, en train de vendre des perruques de chez Empire. Vous connaissez Empire, hein, l'entreprise de Emma Lewis. Empire 17. Voilà, elle vendait des perruques sur TikTok. Et puis, il y a une internaute qui est venue laisser un commentaire. Et puis, elle était obligée de la déconstruire. Écoutez cette vidéo. Et puis, je vous reviens juste après pour vous donner mon point de vue par rapport à ça. Très dommage. Alexandra, tu es tellement bête en fait. C'est même pas intelligent de ta part. Et maintenant, si tu cherches vraiment à aller à l'école, ou bien à l'école là, ton cursus scolaire doit revoir ça. Parce qu'il y a besoin que tu pointes le cerveau des mots dans ta grosse tête. T'as pas l'impression que tu dégages, tu fermes ta gueule. Vous avez tellement qu'on vous insulte, vous savez, vous dites que oui, tu es poli. Moi, je m'en fous, hein. Et si vous imposez ça dans les jeunes, bien même. Voilà. Vous n'avez rien, mais quand vous voyez les trucs, vous êtes excité comme ça pour venir commenter. C'est pas vous, c'est Orange qui fait 200%. C'est vous qui vous fatiguez. Moi, c'est pas des derniers, mal vous insulter. Là, mon frère, les vilaines sont nées en train de capsuler, là. Oui, la coupe carrée à 250 000. Elle est très bête, merci, Olivia. La coupe, celle-là. C'est pas longueur 14, je pense bien. Non, 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 ma douce, elle m'a aussi qu'à arrêter. Aïe, c'est le commerce des gens que vous venez vous asseoir là pour. On a qu'à dire quoi? Je m'en fous, madame. C'est vous, de mettre bien ça, vous jouez les victimes. Oui, hein, elle est impolie, je m'en fous. Quand vous, si vous réfléchissez à vos sang, vos pieds là, et vous me montrez que c'est moi-même qui ai là vos pieds dans vos têtes. Aïe, c'est là, moi aussi arrêter. T'es maître, je dégage. En fait, il y a les gens qui sont de nous regarder. Aïe. Ou ceux à qui vous dites que j'ai un bon, tout le monde sait que c'est un bon, mais je me pousse à vous là. Je te montre que moi je suis deux fois plus bête que toi. Aïe, venez pour plaisir, pas vous, vous jouez les visites, vous dites que c'est un commerce. Allez-y, faire foutre. Non, c'est pour autant que vous avez parlé mal de vos gens, bien vous allez venir dénigrer le commerce des gens. Vous n'avez rien, pas de peu importe votre truc habituel. Après la poulet, poulet, là, il y a les prix des poulets dans beaucoup de magasins. Tu n'as pas si tu n'as pas. Aïe, regarde, regardez quoi. Tu vas jamais voir les belles filles à fond les bêtises comme ça. Attends, ils te bloquent même. Ta dernière fois. N'importe quoi. Saleté. On continue. Toi, tu dégages, bête. Je vais procurer, j'ai pu jouer les bêtes ici, puis dire que c'est commerce, nanana. Énervez-moi. Énervez-moi. Pardon, quitte là. Bon, ça c'est 150 terrains. Vous m'énervez, c'est une bande de missiles. 180 derrière les 450. 450. 450. Les deux. Longueur 30. Longueur 30. Maintenant, les pixies, là, les couples, elles sont à 180 000. 180. Merci, grâce pour le numéro 0757-61-21-99. Voilà. Oui. C'est une liste HD. Avant de bloquer là, viens au bon et bloquer. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce que nous venons d'écouter. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous écoutiez cet audio. Cet audio m'a été envoyé par une cliente il y a de cela quelques mois. Parce que j'ai vu en commentaire, les gens disent non, Emma Lewis n'a qu'à virer celle-là, que celle-là va gâter son commerce. Il y a foi. Mais écoutez cet audio d'une cliente. Voilà. Cet audio m'a été envoyé par une cliente parce qu'elle a commandé une perruque chez moi d'une valeur de 50 euros que je mets d'ailleurs à côté ici pour que vous puissiez voir. Elle a commandé cette perruque à 50 euros et voilà le message qu'elle m'a envoyé par la suite quand elle a reçu la perruque. Voilà le message qu'elle m'a envoyé. Voilà la perruque que j'ai pris chez la dame, là, 65 euros. Toi-même, regarde le bonnet, la texture. Et tu regardes la perruque que j'ai pris chez toi à 50 euros. Il n'y a même pas de comparaison. Je préfère prendre ça à 65 euros que de prendre ce que j'ai pris pour toi. Les bonnets caca que tu vends aux gens là. Franchement, il faut changer. Ça ne sert à rien de profiter derrière les gens. Tu as compris, non? Moi, je veux, c'est parce que je ne suis pas méchante d'y aller faire ta mauvaise publicité. Que ce soit sur Facebook ou sur ton compte YouTube. On ne fait pas ça. On ne vend plus ce genre de bonnets là aux gens. Hein? Même AliExpress vend les meilleurs bonnets au prix de rien. Franchement. Quand vous arrivez en Europe, hein, si vous ne voulez pas travailler, faites au moins un bon commerce. Que de vendre n'importe quoi, manger l'argent derrière le dos des gens, ça vous n'allez rien faire avec cet argent-là. Tu vends les trucs aux gens, tu dis les bons trucs, c'est meilleur, c'est machin, c'est ceci, c'est bon. La qualité, quelle qualité? C'est le caca que tu vends aux gens-là.
Ça, c'est des trucs qu'on ne vend plus aux gens aujourd'hui, que les gens ne portent même plus. C'est que les cadavres qui portent ce genre de trucs. Moi, j'ai foutu toutes ces conneries-là à la poubelle parce que ça ne me ressemble pas. Même à mon âge, l'âge que j'ai là, je peux pas porter ce genre de trucs. J'ai quand même des perruques de 300 euros dans ma maison. Je voulais juste tester pour voir si tu es vraiment honnête et tout, mais ça ne vaut pas la peine. Je préfère mettre un 500 euros, ou un 600 ou un 700 euros sur une bonne perruque comme la perruque américaine que je vois souvent. Les filles font la publicité là. Je préfère mettre l'argent là-bas. Je sais que j'ai la qualité. Et c'est durable. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est terminé ces histoires-là. Je vais même t'enlever dans mon site. Je vais même te dégager de mon compte. Je te donne encore une chance. Si tu veux faire le commerce, je te donne. Quand on dit le commerce, c'est le cardio là. Quand on dit le commerce, c'est le cardio là. C'est ce que vous venez d'écouter là. C'est de ça qu'il s'agit. Le commerce, c'est le cardio. Parce qu'il y a des oiseaux de mauvaise augure, toujours. Des clientes, on ne sait pas d'où elles sortent, mais qui viennent toujours pour vous faire sortir de vos gants. Cette dame-là, elle a commandé une perruque de 50 euros chez moi. Pour celles qui me suivent depuis le début que j'ai commencé mon business ici sur les réseaux sociaux, pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est moi-même qui porte mes perruques pour présenter. Vous savez, quand il y a arrivage là, je mets sur ma tête, je filme, je ne me cache même pas. Je mets sur ma tête, je filme, je ne vais pas voler les images sur les sites et tout pour venir vous présenter. Faites juste un tour sur ma page, vous allez vous rendre compte. Je présente mes perruques moi-même. Donc, elle a vu cette perruque-là. Elle allait dans le catalogue et elle a traversé toutes les perruques de 250 euros, 300 euros que je vends là. Elle a traversé les perruques de 150 euros, tout ça là, pour venir commander une perruque de 50 euros. Ce n'est pas sur une tête de mannequin qu'elle a vu la perruque, hein. C'est sur ma tête, elle a vu. Et puis, elle a commandé. La perruque arrive. Ma chérie, tu n'es pas satisfaite, tu ne renvoies pas la perruque, hein. Tu n'es pas satisfait, tu ne renvoies pas la perruque. Tu m'envoies lourd message vocal comme ça pour critiquer, pour dire je vends perruque de cadavre, pour dire ce sont les cadavres qui portent ça, que ce genre de bonnet, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Si quelqu'un n'est pas de mauvaise foi là, comment la personne va recevoir une perruque dont elle n'est pas satisfaite? Elle va pas chercher à renvoyer, hein, mais elle va faire un message pour te dire non, si elle n'est pas mauvaise, elle fait ta mauvaise publicité sur Facebook, sur YouTube. Oh non, c'est moi-même. Moi-même, je gère mes pages. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient gérer mes pages. C'est moi-même Mélissa qui est là devant vous là. C'est moi-même Mélissa qui porte ces perruques pour vous présenter là. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas, hein. Si quelqu'un n'est pas de mauvaise foi là, comment la personne va t'envoyer ce genre de message vocal? Que si vous êtes arrivé en Europe, vous ne voulez pas travailler, ne cherchez pas à manger l'argent dans le dos des gens. Comme si mon école où je vais là, c'est elle qui paye mon école. Si dans ça là, tu as mal répondu, on va dire, ah, tu as eu mauvaise bouche, tu es mal poli. On va dire que tu as une mauvaise bouche, ma parce que toujours, elles ont cette manie-là de venir vous énerver. Elles ont cette manie-là de venir vous faire sortir de vos gonds. L'employée de Emma Loewe, j'ai vu en commentaire les gens demander à Emma Loewe de la virer. On n'a qu'à la virer, pourquoi? Hein? Pourquoi on va la virer? Emma Loewe, là, c'est une entreprise, elle a ses prix. Si tu tombes sur son site internet et que tu vas sur sa page, tu n'es pas satisfait. En tout cas, ses prix te dépassent là. Ma chérie, tu passes à autre chose, va commander où tu. Où on dit c'est là où ton sac. Accroche ton sac où tu as même pu arriver. Si tu arrives dans la boutique de Emma Loewe, que ses prix sont exorbitants. Oui, parce que j'ai vu des gens se moquer, dire non, ah, elle vend très cher. Mais c'est son entreprise, c'est elle qui décide des prix. Vous voyez un peu? Si tu arrives dans son entreprise, que tu te rends compte que ses prix sont exorbitants, ma chérie, va payer où tu as l'habitude de payer au lieu de venir insulter les gens. Parce que quand vous venez insulter là, ça dit que la personne que vous avez en face vous répond en fonction de ce que vous avez dit. Ce n'est pas tout le monde qui a un tempérament calme. Ce n'est pas tout le monde qui est posé. Il y a des gens qui vendent là. Ils sont très mal polis. Ça dit quand tu viens avec, ça dit comportement de mouton, la réaction du berger en même temps. Comportement, mais qu'on réponse bande de cons. C'est comme ça, il y a des gens qui ne passent pas par quatre chemins. Comme cet employé-là. Voilà. Elle est là pour un travail. On l'a employée pour vendre. Maintenant, les gens viennent insulter en commentaire, dire des trucs bizarres. Mais elle va vous répondre. Si c'est quelqu'un qui est calme naturellement, là, elle ne va même pas vous calculer. Si cette dame d'Alexandra en commentaire s'était adressée à une fille calme, à une fille posée, ça allait passer crème. Personne ne se serait même rendu compte. Mais il y a des personnes qui ne digèrent pas. Moi-même, là, qui me met en live sur TikTok. Les gens qui viennent m'insulter là, moi je ne les calcule pas, je ne les regarde pas. Parce que mon business là, je ne m'amuse pas avec. Je suis focus, tranquillement. Mon business, mon combat. Je ne suis pas là pour regarder qui va venir m'insulter, qui va faire ci, qui va faire ça. Les vrais clients qui ont déjà commandé, quand elles mettent ma perruque sur leur tête là, elles filment pour m'envoyer en privé pour me dire, ouais Mélissa, tu jamais. Même. Ça veut dire que tu as les vraies perruques, tu as les vrais dossiers. J'attends les témoignages comme ça, mais je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire, je vends les perruques des cadavres. Tout ça là, c'est le sabotage gratuit. C'est le sabotage gratuit. Sinon, quand tu n'es pas satisfait de quelque chose là,
Tu remballes le colis et puis tu renvoies, on te rembourse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elle, non, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a voulu me faire sortir de mes gonds. Avant d'aller plus loin dans le béret, j'aimerais vous inviter à faire un tour sur le site internet www.moebenbeauty.com. C'est elle qui s'occupe de ma peau. Voilà, me voilà devant vous. Regardez comment ma peau jarre. Il n'y a pas de make-up sur mon visage. Hein. Il n'y a pas de make-up sur mon visage. Voilà. Et regardez très bien. Je n'ai pas de make-up sur mon visage. Donc, pour avoir une peau belle, hydratée, uniforme de la tête jusqu'aux pieds, faites un tour sur le site internet www.moebenbeauty.com pour toutes celles qui sont au Cameroun ou ceux qui sont au Cameroun parce que c'est hommes et femmes. Vous pouvez vous rendre tout simplement à Akwa. Les numéros seront laissés en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez passer juste un coup de fil, vous rendre directement dans le magasin situé à Akwa, à Douala. Pour celles qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous voulez commander, allez-y sur le site internet. Les prix sont disponibles sur le site internet. Vous commandez vos produits et vous commencez à utiliser. J'ai bien dit filles comme garçons. Voilà, il n'y a pas de, ce n'est pas un produit exceptionnellement fait pour les femmes. Les garçons également peuvent, n'est-ce pas, se procurer de ces produits-là afin d'embellir leur peau. Voilà, c'est pas seulement les femmes qui aiment le nyanga. Donc, rendez-vous sur le site internet, n'est-ce pas, pour commander vos produits. C'est une gamme très variée. Moi, j'utilise la gamme Lumière. Il y a également la gamme Hydro Booster qui est disponible. Hein, vous choisissez en fonction du résultat que vous attendez. La gamme Lumière, ça permet de donner de l'éclat à votre teint, d'hydrater votre peau en profondeur. La gamme Hydro Booster, c'est plus pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont le masque de grossesse, les femmes qui ont les boutons, les acnés, de façon là. Allez-y, achetez la gamme Hydro Booster. Ça va booster l'hydratation de votre peau. Ça booste l'hydratation et ça hydrate votre peau en profondeur. Voilà, moi et Ben Beauty, mon combat, tranquillement, tranquille. Ce n'est pas fait pour te décaper la peau. C'est bien de préciser ça parce que ce sont des produits 100% naturels. Voilà, rendez-vous sur le site internet ou rendez-vous à Aqua au niveau de Douala. Bon, comme je disais, la seule personne qui est, destinée à décider du sort de cet employé-là, c'est Emma Lewis. Voilà, c'est pas aujourd'hui cette petite travail avec Emma Lewis. Et je ne pense même pas que ce soit la fin parce que il y a des gens qui ont cette tendance-là à toujours venir titiller les gens sur les réseaux sociaux. Tes poches sont vides, ma chérie. Vas-y payer où ta main peut arriver. Vas-y acheter où ton argent te permet d'acheter. Au lieu de venir dire non, les perruques d'Emma Lewis sont chères. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est cher. Il y a des gens toujours qui achètent. De toute façon, c'est cher. Là. Il y a des gens qui achètent la même perruque que vous voyez que la fille présente là. Peut-être qu'au grand marché là-bas, il y a des gens qui présentent les mêmes perruques, mais qui les vendent à 65 000. Allez-y là-bas acheter au lieu de venir insulter la petite. La petite ne fait que son travail. Voilà. Elle travaille pour Emma Lewis. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle vienne réduire les prix en live pour vous faire plaisir ou quoi? Donc là, pour conclure, l'audio que j'ai partagé avec vous, cet audio que cette cliente m'avait envoyé après avoir payé une perruque de 50 euros, après avoir traversé toutes les Américaines, selon elle, pour venir acheter une perruque de 50 euros chez Mélissa parce que selon elle, elle veut me tester là. Et Seigneur Jésus. Juste pour vous dire que dans la vie, il y a des gens qui ont leur boulot et à côté qui ont leur business. Peut-être ça, elle n'arrive pas encore à comprendre. Elle est en Europe, mais apparemment, sa mentalité est encore au village là-bas. Mais il y a des gens qui ont leur boulot et leur business à côté. Vidéo que je fais là, ce n'est pas ma vie. Voilà, j'ai mes business et puis je gère ma vie à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Mes perruques, mon combat. Tomodo, c'était un peu ça. Les vraies clientes qui commandent chez moi là, elles connaissent la qualité de mes perruques. Que ce soit des perruques tresses, que ce soit des tissages, elles connaissent la qualité de mes perruques. Et ce n'est même pas discutable. Voilà. Donc, famille, je vous aime, je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Nous sommes en promotion actuellement jusqu'au 17 février. Donc, venez profiter des promotions, venez profiter des réductions. Sur ce, je vous adore. Ciao, ciao.